Inquiétante. Grands magasins, cinémas, marchés, ventes publiques sont mis en coupe réglée par d'audacieux pickpockets. On croit se trouver en présence d'une bande bien organisée. La police a chargé ses meilleurs limiers de mettre hors d'état de nuire ces dangereux filous. Quelle chance! Tenez, monsieur. Bonjour, Tintin. Tiens, Dupont et Dupont, bonjour. Comment allez-vous? Ça nous fait plaisir de vous revoir. Vous êtes à la recherche d'occasion? Chut, secret confidentiel. Mission spéciale, nous sommes à la recherche d'un pickpocket. Vous savez, celui dont on parle dans les journaux. Comme vous pouvez le constater, ça ne nous a pas empêché de découvrir ce splendide lot de cannes. Et tout à fait par hasard. Je vois ça. Bien, et il serait peut-être temps de se remettre au travail. Qu'en pensez-vous, Dupont? Payons ces magnifiques cannes et reprenons notre enquête. Mon portefeuille! Oh, on me l'a volé! Le pickpocket! Ah, on m'a aussi volé le mien! Ah, ne vous en faites pas, je vais payer pour vous. Vous n'aurez qu'à me rembourser la prochaine fois qu'on se verra. Dupont, oui, il s'agit maintenant d'aller porter plainte. Oui. Merci et à bientôt, Tintin. Au revoir! Oh, pauvre Dupont et Dupont. Une minute, Milou, attends! Waouh! Ah, c'est une pièce unique. En effet. 120 francs et il est à vous, jeune homme. Qu'en dis-tu, Milou? J'ai bien envie de l'offrir au capitaine Haddock. Je vous l'achète, mais pour 100 francs. D'accord. Marché conclu. Combien ce bateau? Je regrette, monsieur, je viens juste de le vendre. Ah, si vous le permettez, je vous le rachète. Merci, mais je le garde. Combien pour ce bateau? Désolé, monsieur, mais ce bateau est déjà vendu. Oui, à qui? À moi. Allez, viens, Milou, on rentre à la maison. Écoutez, je vous en donne 200 francs. Ah, ne faites pas attention à lui, jeune homme, je vous offre les doubles. Vous avez tort d'insister, monsieur. J'étais là le premier, et que diriez-vous de 500 francs? Je monte à 600. 700. 800. 900. 1000 francs. Non! Je ne le vendrai pas, messieurs. Qu'ont-ils donc tous à vouloir me racheter ce bateau? Pourquoi toute cette comédie pour un simple bateau? Oh. Encore vous? Oui. Pardonnez-moi si j'insiste de la sorte, jeune homme, mais j'ai tenu à vous remettre ma carte au cas où vous changeriez d'avis. N'y comptez pas. Au revoir. Milou! Qu'as-tu fait? Le voilà cassé maintenant. Oui?
Salut, marin d'eau douce. Venez par ici. Il y a une petite Tonnerre surprise de pour brest, vous. Mille sabords. Il ne vous plaît pas? Ça, par exemple, quelle coïncidence. Figurez-vous que... Ah non, allons plutôt chez moi. Mais... Maintenant, Tintin, vite! Mais que se passe-t-il, capitaine? Extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Capitaine, attendez! Tenez, regardez, c'est un de mes ancêtres, le chevalier de Haddock. Il vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Oui, un petit air de famille. Regardez de plus près, examinez le bateau à l'arrière-plan. La licorne, on dirait le bateau que je vous ai offert. Exactement. Mais tiens, à propos de licorne. Oh, je l'ai oublié chez moi. Elle a disparu. Allô? Capitaine, quelqu'un a volé le bateau. Ma licorne volée, les écornifleurs, les sapages, les chenapans, les parasites. Attendez que je leur mette la main dessus, je vais les écorcher vite. Je vais les pulvériser, je vais tous... Je vous tiens au courant, capitaine. Tintin ! Tintin ! J'arrive. Voilà, j'arrive. Ah, la licorne, à vrai dire, je m'y attendais. Figurez-vous que mon bateau a disparu. Comment se fait-il que je le retrouve ici? J'ai bien peur que vous fassiez erreur, mon jeune ami. Voyez-vous, ce bateau-là m'appartient depuis plus de 10 ans. Eh bien, je vais vérifier. Jeune homme, que faites-vous arrêter? Le mât est intact. Je suis désolé, monsieur Saccharine, mais ce n'est pas mon bateau. Je comprends votre surprise. Moi-même, ce matin au marché, j'ai été stupéfait de découvrir un bateau identique au mien. Et c'est parce que cela m'a paru curieux que j'ai insisté pour vous le racheter. Excusez-moi, monsieur, je suis désolé. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. J'espère que vous retrouverez votre bateau, jeune homme. Merci, monsieur Saccharine. Au revoir. C'est extraordinaire, deux maquettes de bateaux identiques. Qu'est-ce que tout cela signifie? Je vais tout de suite appeler le capitaine. Oh, on n'a vraiment pas de chance. Ah, enfin. Oh, je crois que nous pouvons sortir, Mirza. L'inverse est passé, il ne pleut plus. A dû sortir. Allons-y, Milou. Oh non! On a cambriolé mon appartement. Voilà d'extraordinaires voleurs. Ils sont partis sans rien emporter. Qui est là? Dupont. Oh, c'est vous? Bonjour, mon cher Tintin. Nous venons vous rembourser les cannes. Oh! On m'a de nouveau volé mon portefeuille. Moi aussi. C'est certainement cet individu que nous avons croisé hier soir en venant chez vous, mon jeune ami. Comment était-il? Assez gros, l'air brutal, les cheveux noirs, une petite moustache noire, complet bleu et chapeau brun. L'homme du marché aux puces. Le pickpocket a encore frappé, il faut immédiatement porter plainte. Je dirais même plus, il faut tout de suite porter plainte. Oh! Allô, Dupont, où es-tu? Ici, Dupont, je suis déjà descendu. L'homme du marché aux puces est donc venu ici. Eh bien, Milou, que fais-tu? Qu'est-ce que c'est que ça? Trois frères unis, trois licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront, car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira la croix de l'aigle. Oh, quel charabia! Et d'où sort-il ce papier? J'y suis! Il devait se trouver dans le mât du bateau. C'est ça, il s'en sera échappé en tombant et il aura roulé sous le meuble. Et celui qui a volé mon bateau savait qu'il s'y trouvait caché. Voilà pourquoi j'ai été cambriolé. Mais pourquoi tout ceci? Mais bien sûr! Vite, Milou, chez le capitaine! Nous sommes certainement sur la piste d'un trésor. Yaha!
rien de nouveau concernant les vols à la tire. La police multiplie les contrôles et renforce sa surveillance sans succès apparent. Des précautions élémentaires sont à prendre. Ne transportez pas de grosses sommes d'argent. Évitez la foule. Capitaine ! Capitaine ! C'est moi, Tintin ! Capitaine, vous m'entendez ? Quelque chose ne va pas ! Le capitaine n'ouvre pas sa porte. Oh ! Oh ! Capitaine Haddock ! Capitaine, ouvrez ! Un pas de plus et je fais tout sauter ! Cela devient inquiétant. Tenez bon, capitaine, j'arrive ! Un, deux, trois ! Victoire, ils ont battu en retraite. Hardy les gravirons, cadeau. Goodbye, farewell, good... Oh, Tintin, mon ami. Que signifie cette comédie, capitaine? Vous voyez cet homme, Moussaillon? Oui, c'est votre ancêtre. Le chevalier de Haddock. Figurez-vous que j'ai trouvé ce coffre dans mon grenier hier soir. Et savez-vous ce qu'il contient? Un trésor? Presque, un vieux manuscrit. Tenez, regardez. Oh. Les mémoires du chevalier de Haddock. Oui, je vais vous raconter tout cela. Nous sommes en 1698. La licorne, fier vaisseau de la flotte de Louis XIV, a quitté l'île de Saint-Domingue dans les Antilles et fait voile vers l'Europe. Ils sont partis depuis deux jours par bonne brise. La licorne vogue grand large lorsque de la hune tombe un cri. Une voile à bâbord ! Oh, il serre le vent au plus près, ce particulier-là. Que le grand cri me croit qu'il nous coupe la route. Ah, le voilà qui, son pavillon. Le pavillon noir. Les flibustiers. Prends le bas de combat. Tout le monde sur le pont, paré à virer. La licorne serre le vent pour échapper aux frères de la côte. Rien à faire, tonnerre de Brest! Il nous gagne de vitesse! Le chevalier exécute une manœuvre hardie. Il vire l'œuf pour l'œuf, bâbord à mur. Approchez, mes petits, approchez. C'est ça, plus près? Approchez! Tous à vos postes, tenez-vous prêts! Parez à virer, les abattre! Surpris par cette manœuvre, le pirate n'a pas le temps de modifier sa direction. Canonnier à vos pièces! Oui, mais pas assez pour lui faire abandonner la poursuite. Il vire de bord et soudain, regardez, le pavillon rouge. Le pavillon rouge, la lutte sera sans merci. Il n'y aura pas de prisonniers. Le forban a réussi à se placer derrière la licorne, évitant ainsi ses canons. Il passe rapidement sous la poupe du vaisseau, comme ça. Les vaisseaux sont maintenant côte à côte. Waouh! Les flibustiers sont prêts pour l'abordage! Les armes sont sorties! Les grappins sont lancés! La lutte à mort commence! Pas de quartier, tous à l'abordage! Capitaine! Laissez-moi me défendre! Arrière, forban! Arrière, vermine, clopote! Arrière, chenapan! Arrière, pipistin!
pas, mes camarades, je le tuerai moi-même. Vas-y donc, si tu oses qu'à tenter, moulin gaufre. Moi. Yaha! Ah, tu veux me tuer, synapisme, vieux cornichon. Tiens, voilà pour toi, scolopendre. Ah, c'est ainsi grand lâche, on m'attaque par derrière maintenant. Attention, garabou, ça va barder. Oh. Voilà, c'est à peu près ce qui est arrivé à mon aïeul. Comme il se jetait sur les pirates, une grosse poulie lui tomba sur la tête et l'assomma. Voilà les forbans maîtres du navire. Blessés, les survivants sont jetés à la mer. Mais que se passe-t-il? Où est mon équipage? Au lieu de piller le navire et d'emporter le butin, ils embarquent à bord de la licorne. Ils font tout le contraire. Regarde-moi, je suis Rackham le Rouge. Et moi, le chevalier François de Haddock. Tiens donc, ainsi mon nom ne te fait pas trembler, misérable chien galeux que tu es. Fui. Qu'importe, mon vaisseau est en train de couler à cause de tes satanés canonniers. Alors tout naturellement, je prends possession de la licorne. En ce moment, mes hommes transportent à ton bord le butin d'un vaisseau espagnol. Et quel butin! Regarde un peu ces diamants. Oh. Et profite des heures qu'il te reste à vivre, vieux cheval, car demain, au lever du jour, tu mourras. Cette nuit, la licorne jeta l'ancre dans une crique bien abritée, près d'une petite île. Fort de leur victoire, les pirates s'enivrèrent. Patience, mes agneaux. La partie n'est pas encore gagnée. Sur ces mots, ils se précipitent à la Sainte-Barbe, l'endroit où sont enfermées les munitions et la poudre. Rien de tel qu'un beau feu d'artifice pour compléter la fête. Ah, ah chien, te voilà, je m'en vais t'écorcher tout vif. Par Lucifer, je te ferai avaler ta barbe, porc et pique. Et moi, je te déplumerai, perroquet bavard, flibustier de carnaval. Tout en combattant, il songeait à la mèche qui se consumait. Il fit un bond de côté et hop, il éteignit. Et maintenant, Rackham le Rouge, je vais me fâcher. Oh, Minou. Je te tiens, tu es cuit. Capitaine. Capitaine. Victoire, Rackham le Rouge est liquidé. Et voilà, que Dieu lui pardonne tous ses crimes. Le chevalier vécut pendant 2 ans sur cette île parmi les indigènes avant d'être recueilli par un vaisseau. Ici s'arrêtent ses mémoires. À la dernière page du manuscrit figure un testament, dans lequel il déclare léguer à chacun de ses 3 fils un modèle de licorne construit et gréé par lui et leur demande de déplacer le mât. Ainsi, ajoute-t-il, la vérité sera complète. Ça y est, le trésor de Rackham le Rouge. Les parchemins enroulés dans le mât de chaque bateau mènent au trésor. Le trésor? Le trésor? Oh, hardi les gars, furons cadeau. Mais quel parchemin? Peu importe, capitaine. Nous en avons déjà un et je sais où se trouve le second, chez Monsieur Saccharine. Il ne nous reste plus qu'à trouver le troisième. Et le trésor de Rackham le Rouge sera à nous.
Hardi les gars, virons cadeau. Goodbye, farewell, goodbye, farewell. À nous le trésor de Rackham le Rouge. Yaha! Rien de nouveau dans l'affaire des vols à la tigre. Nous avons avec nous les détectives Dupont et Dupont chargés de ce dossier. Eh bien, messieurs, où en êtes-vous de votre enquête? Eh bien, nous, je dirais même plus, nous sommes sur le point. Précisément, tout à fait sur le point. Avez-vous une piste? Oh oui, bien sûr. Nous avons de nombreuses pistes que nous suivons de près. Et nous n'en avons pas oublié une seule. Vous pouvez être sûr que s'il y a un pickpocket quelque part, nous le trouverons à coup sûr. Merci, messieurs. Matelot, puisqu'il fait bon vent, allons tous au gaillard d'avant. Non mais alors, vous allez faire moins de bruit. Oh, salut l'ami. Que les ventes soient propices. Allez, rentrez chez vous, bande d'excités, et laissez les gens dormir. Venez, capitaine, allons-y. C'est incroyable ce que les gens sont crâcheux. Il est très tôt, capitaine. Pardon, je suis désolé, jeune homme. Je ne vous ai pas vu venir. Ce n'est rien, monsieur. Bonne journée, messieurs. Nous y sommes. Ah! Au secours! Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Monsieur Saccharine, on a tué Monsieur Saccharine! Zachary. Une million de mille sabords. Il respire encore. Regardez. Une autre licorne. Le mât est cassé, capitaine. Ah, le parchemin qui s'y trouvait a disparu. Ce qui veut dire, tonnerre de Brest, que nous ne sommes pas les seuls. Il y en a d'autres qui cherchent le trésor. Police. Que personne ne bouge. Ah, oh, chers amis. Permettez, permettez, nous sommes en service, et en service, nous ne connaissons pas d'amis. Ah, pour commencer, voilà la victime. Je dirais même plus, voici la victime. Or, s'il y a une victime, il est clair qu'il y a un coupable. Et à mon avis, il ne peut pas être loin. Le coupable, le voilà. Quoi? Misérable ver de terre, cornichon, ah, la porte négrier, coléoptère vermicelle. Oh, osez m'accuser, pyrophore. Allons, capitaine, arrêtez. Topinambour. Vous allez voir, espèce de troglodyte. Capitaine, calmez-vous. Oui, calmez-vous, monsieur le capitaine. Nous avons dit cela comme ça, à tout hasard. Comment ça, à tout hasard, Chapajou, phylloxéra? Eh bien, vous comprenez, capitaine, si vous aviez été réellement coupable, vous seriez troublé, n'est-ce pas? Assurément. Tandis que maintenant, nous sommes certains de votre innocence. Je dirais même plus, vous êtes innocent. Sans rancune. Hors de ma vue, misérable. Oh, il a disparu. Que vous est-il arrivé, monsieur Saccharine? Un homme est venu me proposer de jolies gravures anciennes. Comme je les examinais, j'ai senti brusquement comme appliquer un tampon sous le nez. Oh. Et puis j'ai perdu connaissance. Du chloroforme. Monsieur Saccharine, c'est de la plus haute importance. Pourriez-vous nous donner le signalement de cet homme? Attendez, il était assez gros, des cheveux noirs et une petite moustache noire. Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Combien pour ce gâteau? Combien pour ce bateau? J'y suis, l'homme du marché aux puces. Voilà. Oui, c'était bien lui. Reposez-vous, monsieur Saccharine. Nous le retrouverons, ne vous inquiétez pas. Oh. Bien, messieurs, c'est sans doute cet homme qui a volé le parchemin. Regardez le mien, ça vous donnera une idée de ce à quoi il ressemble. Malheur, on m'a volé mon portefeuille. Volé?
Comment ça, voler? Je vous signale que vous parlez du trésor. Ça, c'est sûrement le pickpocket. C'est inouï le nombre de gens qui, ces derniers temps, se laissent voler leur portefeuille. Je vais vous donner une astuce. Tenez, essayez donc de prendre le mien. Allez-y, essayez. Et voilà. Simple, mais il fallait y penser. Vous avez vu un élastique? Il serait peut-être temps de réagir, Tata, car si ça continue, notre trésor va nous passer sous le nez. Encore une journée passée à traquer des voleurs de portefeuille. Je serais content d'être à la maison. Enfin, voici notre trame. Mon portefeuille! Oh! Au voleur! Oh! Halte! Police! Ah ah, je vous tiens, mon gaillard! Mes amis, je vous dois une fière chandelle. C'est tout naturel. Il y en avait 7 dans ses poches, il n'a pas eu le temps de les vider. Et voilà le parchemin. Hardy les gars, virogado, goodbye, farewell. À nous le trésor de Racam le Rouge. Félicitations. Et le voleur, êtes-vous sur sa trace? Eh bien, à vrai dire... Voyez-vous, nous n'avons pu arrêter que sa jaquette, et pas le moindre indice. Et ça, une marque de teinturerie. Mais alors? Il suffirait de découvrir la teinturerie pour y trouver le nom et l'adresse du filou. Bravo. Que se passe-t-il, Milou? C'est l'homme du marché aux puces. Ah oui, cela ne me dit rien de bon. Non, attendez. Voyons plutôt ce qu'il veut. Monsieur Tintin, mon nom est Barnabé. Je désirerais vous parler. Pas ici, c'est trop dangereux. Soit, montons chez moi. Je vous en prie. Couchez-vous. Bandit! Assassin! Gangster! Qu'on appelle une ambulance, vite! Prenez garde. Ils vous tueront aussi. Mais qui? Leur nom? Parlez! Mais c'est là. Des moineaux? Qu'a-t-il voulu dire? Qu'est-ce que voulait dire cet homme en désignant les moineaux? Monsieur Tintin? Premier étage. S'il pouvait parler. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va aller. C'est sans doute le capitaine. Capitaine? Oh. Oui, monsieur. Monsieur Tintin, voici le service de table que vous avez commandé. Moi? Mais je n'ai rien commandé. Pourtant, c'est bien votre nom et votre adresse. Mais... il y a sûrement une erreur. Hé! Hé! Au secours! Eh bien, il est fou, que se passe-t-il? Mais qui êtes-vous? Et que me voulez-vous? Je veux récupérer mes deux parchemins. Moi, deux parchemins?
Mais je n'en ai jamais eu qu'un seul. Erreur, vous n'en avez plus du tout. J'ai pris la liberté de fouiller votre portefeuille. Mais... Voleur ! Rendez-moi ce parchemin ! Fini de jouer, monsieur Tintin. Je veux les deux autres parchemins. Mais enfin, puisque je vous dis que je ne sais pas où ils se trouvent. Vous avez 2 heures pour changer d'avis, sinon... Je connais un très bon moyen de délier les langues. Mais vous faites erreur! Attendez! 2 heures pour m'échapper d'ici. Il y a certainement un moyen de s'évader. Vite, il va filer. Allons-y. Nous l'aurons. Il n'y a pas d'autre issue. Là, cette armure, elle a bougé. C'est que ça. Messieurs M et G, l'oiseau. L'oiseau. Les moineaux. Je comprends maintenant, tout est clair. Allô ? Capitaine, c'est moi. Que faites-vous là ? Tintin, mais où êtes-vous ? Moi ? Ce que je fais ici ? Je suis le nouveau secrétaire de Monsieur l'oiseau. Oh, que Monsieur le secrétaire m'excuse. Nestor, il y a un jeune bandit dans le château. Empêchez-le de téléphoner à ses complices. Capitaine, je suis au château de Moulinsa. J'ai besoin d'aide. Faites vite. Tintin, château de Moulinsa, vite. Donnez-moi ça. Capitaine, vous êtes là? Nestor. Ma tête. Par où s'est-il enfui? Là, le voilà. Vite, dans les bois! Je l'ai eu! Venez voir, je l'ai eu! Bonjour, monsieur Tintin. Debout. On a déjà assez perdu de temps.
Les mains en l'air et avancez. Tu m'as sauvé la vie. Oh, les sacripants, les boissons soif, bandits, marins d'eau douce, je vais leur montrer, moi, je... Capitaine, je suis sauf. Grâce à Milou, merci Milou. Mais puisque je vous dis que je suis innocent, voilà, tenez, voilà le coupable. N'est pas la peine de vous fatiguer, vous expliquerez ça au juge, espèce de canari des îles. Voyons, calmez-vous, capitaine. Nestor est de bonne foi. J'ai entendu ses patrons lui dire que j'étais un malfaiteur. Dans ce cas, messieurs, nous vous informons que vous êtes en état d'arrestation. Monsieur Barnabé a survécu à ses blessures et nous sommes parfaitement au courant de la situation. Oh, Barnabé est vivant? Tais-toi, c'est un piège. Oh non, pas du tout, c'est la pure vérité, monsieur. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait, Maxime? On se tait, imbécile. Je vous conseille de dire la vérité. Les juges en tiendront compte et votre peine sera moins lourde. Tout a commencé quand nous avons trouvé la première licorne. Tais-toi ! Oh non, c'est toi qui vas te taire ! Et dedans, vous avez trouvé le parchemin. Oui. Nous avions compris que nous étions sur la piste d'un trésor, mais il nous manquait les deux autres. C'est alors que nous avons engagé Barnabé. Pour mettre la main sur les autres licornes, la mienne et celle de Monsieur Saccharine. Nous l'avions chargé de voler les parchemins. Il était dans le secret et il a voulu nous prendre de vitesse. Et vous avez essayé de le tuer, misérable! Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Pourquoi m'avez-vous enlevé puisque Barnabé avait les parchemins? Il est inutile de jouer la comédie, monsieur Tintin, ça ne prend pas. Rendez-moi ces parchemins, que vous m'avez volés d'ailleurs. Mais je ne vous ai rien volé. Oh, le pickpocket! Nous pouvons peut-être vous aider à ce sujet. Vraiment? Nous avons retrouvé la trace de ce pickpocket. Monsieur Aristide Filozel, au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes un voleur, monsieur. M'arrêter, moi? C'est une épouvantable méprise. Mais comment peut-on m'accuser ainsi? Votre redingote vous a trahi et votre teinturier est formel. Un voleur, Aristide Filozel, fonctionnaire retraité. Si jamais vous avez besoin de moi, messieurs, n'hésitez pas à m'appeler. Ça a tout l'air d'être encore une de tes erreurs, Dupont. Oh, je dirais même plus, encore une de tes erreurs, Dupont. Au lieu de vous disputer, demandez plutôt à monsieur de vous faire visiter sa bibliothèque. Car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira. Tonnerre de Brest! Mais c'est une latitude et une longitude qui indique l'endroit où a coulé la licorne. Mais nous allons affréter un navire et en route, moussaillon. À nous le trésor.